suis Thomas Brunet, je suis le compositeur de la musique du jeu Chants of Senna, qui est un jeu de résolution d'énigmes, un peu contemplatif. Et on a eu la chance pour ce jeu-là d'enregistrer de vrais instrumentistes ici au studio du bassin, à côté d'Arcachon. Et aujourd'hui, nous avons fait la session d'enregistrement des cordes, donc violoncelle et violon. On a eu la chance de pouvoir enregistrer de vrais musiciens qui vont donner vie à la musique, c'est-à-dire avec leur sensibilité à eux aussi, qui est potentiellement différente de celle du compositeur, et leur savoir-faire qui permet de s'adapter à ce que j'ai voulu écrire, en donnant des petits accents, en donnant des idées, en mettant un peu leur identité à eux aussi, fait partie de la musique du jeu maintenant. Donc on a eu tout un temps de préparation des partitions et des sessions ici au studio avec l'ingénieur du son Frédéric Foulquier et toutes les équipes du studio qui m'ont prêté main forte. On a commencé la matinée par enregistrer les thèmes forts du jeu, donc le thème principal et puis les grands axes narratifs et thématiques qui ont été développés dans la musique du jeu. Puis ensuite l'après-midi on a enregistré tout ce qui restait, la musique d'ambiance par exemple, parce qu'il y a pas mal de passages un petit peu lents où on explore cette tour dans laquelle on arrive dans le Chants of Senna, et tout ce dont on avait besoin pour rendre cette musique un peu interactive, et je crois qu'on a fait un bon travail. Dans la musique du jeu, on a beaucoup d'ambiances différentes pour un peu mettre en avant les cultures différentes des peuples qui habitent cette tour. Par exemple, on a des musiques un petit peu arabisantes. On va avoir des moments qui font un petit peu plus peur avec des séquences d'infiltration, de poursuite. Voilà, on va être un petit peu en danger aussi. Il y a un peuple dans cette tour qu'on appelle les bardes, qui sont des musiciens et dont l'architecture est inspirée à la fois par les peuples de l'Inde, aussi par les pays du Moyen-Orient. La question, c'était comment donner vie à cette culture sans rentrer trop dans une copie d'une musique traditionnelle qui existe déjà. Les séquences d'infiltration, j'ai utilisé le violoncelle pour produire des effets, beaucoup, donc des techniques de jeu très particulières qu'on trouve dans la musique contemporaine éventuellement, et qui permettent d'avoir une musique qui est en même temps une sorte de bruitage, c'est-à-dire qu'elle permet de non seulement placer l'ambiance comme une musique normale, mais aussi de temps en temps faire un petit peu peur ou inciter le joueur à être vigilant. Très peu de scènes dans le jeu qui nécessitaient une musique vraiment énergique, une scène de poursuite notamment, où on va avoir voilà, des notes très courtes, agressives, jouées d'une manière un peu spécifique au violoncelle, au violon. Dans cette deuxième journée, nous avons enregistré les vents, donc le cor anglais et le hautbois de Isabelle Desbas, ainsi que les flûtes de Sylvain Millepied, à savoir la flûte piccolo, la flûte en ut, la flûte en sol et la flûte basse. Le hautbois et le cor anglais sont un petit peu les représentants de l'état émotionnel du personnage qu'on va jouer dans le jeu. Donc tantôt un peu perdu, tantôt seul, tantôt apeuré, tantôt rassuré. C'est un instrument qui est très expressif.
Et j'ai choisi les flûtes parce que il y a une grande diversité de timbres dans ce qu'a joué Sylvain. Et puis aussi parce que c'est un instrument un peu intime qui reflète la nature du jeu. C'est un jeu qui demandait une musique un peu humble, un peu intime comme ça. Et je trouvais que la flûte correspondait bien à ça. Plusieurs morceaux comportent du chant que nous avons confié à Carla Fernandez. La voix, c'est un instrument à part. Il n'y a pas plus proche de l'humain que la voix. Donc c'est un peu l'instrument qui représente le cœur caché du jeu, cette recherche de compassion et de compréhension qui vous permet d'aller au bout. C'est aussi pour ça que la voix intervient assez tard dans le jeu et assez peu, et elle culmine lorsque le joueur a réussi sa mission. La voix de Carla, c'est un peu ce qu'on veut. Ça peut être léger, ça peut être puissant, ça peut être fragile. Et je trouve que c'est une autre façon de représenter le sous-texte du jeu, c'est-à-dire des thèmes comme l'humilité, l'altérité, le pouvoir du dialogue. Et avec le recul, écrire la musique d'un jeu comme ça sans aucune voix chantée, ça aurait été un message un peu différent, je crois. Pendant 2 jours, j'étais entouré de musiciens exceptionnels, de techniciens exceptionnels, de beaucoup de gens qui m'ont aidé. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses et puis surtout de voir ma musique grandir et prendre vie à travers tout ce caractère qu'apportent les musiciens et puis tout le savoir-faire de l'équipe du studio. Donc je suis très 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 content. Je pense que ça va s'entendre dans la musique.